il va falloir répéter, hein. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? J'avais un an et demi, j'allais chez mamie, j'allais chez mamie, j'avais un an. Ah, c'est timide. Vous pouvez mieux faire. C'est timide mais clair. Oui, par contre, on a bien compris. Bon, attention, deuxième phrase. J'allais chez mamie, peinard dans ma poussette, lui faire des gros câlins, câlins les gentillettes. J'allais chez mamie, peinard dans ma poussette, lui faire des gros câlins, les gentillettes. C'est encore plus timide. On va essayer de caser mamie quand même. Câlin, et éventuellement gentillette, ce serait bien. J'avais 5 ans et demi, j'allais chez mamie, j'allais chez mamie. J'avais 5 ans, j'allais chez... Et j'allais chez mamie à fond la patinette, lui faire des gros câlins, car elle est gentillette. Et j'allais chez à fond la patinette, lui faire des gros, car elle est gentillette. J'avais 8 ans et demi, j'allais chez mamie, j'allais chez mamie. J'avais 8 ans, j'allais chez, j'allais chez. Et j'allais chez mamie en patin à roulette, lui faire des gros câlins, car elle est gentillette. Et j'allais chez en patin à roulette, lui faire des gros câlins, car elle est gentillette. J'avais 11 ans et demi, j'allais chez mamie, j'allais chez mamie. J'avais 11 ans, j'allais chez, j'allais chez. Et j'allais chez mamie sur ma planche à roulette, lui faire des gros câlins, car elle est gentillette. Et j'allais chez sur ma planche à roulette, lui faire des gros, car elle est gentillette. J'avais 13 ans et demi, j'allais chez mamie, j'allais chez mamie. J'avais 13 ans, j'allais chez, j'allais chez. Et j'allais chez mamie, coucou la bicyclette, lui faire des gros câlins, car elle est gentillette. Et j'allais chez, coucou la bicyclette, lui faire des gros, car elle est gentillette. J'avais 16 ans et demi, j'allais chez mamie, j'allais chez mamie. J'avais 16 ans et demi, j'allais chez, j'allais chez. J'allais chez mamie avec ma mobilette, lui faire des gros câlins, car elle est gentillette. Et j'allais chez mamie avec ma mobilette, lui faire des gros câlins, car elle est gentillette. Et attention, on arrive à l'âge de la majorité. Qu'est-ce qui se passe à 18 ans? On passe au... À 18 ans et demi, j'ai passé mon permis pour aller chez mamie. À 18 ans et demi, j'ai passé mon permis pour aller chez mamie. Pour aller chez mamie, dans mon Opel Kadett, l'autoradio à fond, j'écoutais des cassettes. Pour aller chez mamie, dans mon Opel Kadett, l'autoradio à fond, j'écoutais des cassettes. C'était des cassettes de Michel Thor. Ouais. Toujours. Et nous bouvions toujours du cidre Loïc Raison. Et oui. Comme ça, c'est une soirée à tort et à raison. C'est notre blague du ciel. À 19 ans et demi, je ne vais plus chez mamie, je ne vais plus chez mamie. À 19 ans et demi, je ne vais plus chez mamie, je ne vais plus chez les patates. Je ne vais plus chez mamie, je vais voir une minette, je leur fais des gros câlins, car elles sont gentillettes. Je ne vais plus chez mamie, je vais voir une minette, je leur fais des gros câlins, car elles sont gentillettes. Quand on a encore la chance d'avoir notre grand-mère, il y a toujours un âge où on retourne chez elle. Quand on a plus de sous, c'est pas faux. Allez, j'ai que je l'ai. Hein. À 40 ans et demi, je retourne chez mamie, je retourne chez mamie. À 40 ans et demi, je retourne chez mamie, je retourne chez mamie. Je retourne chez mamie avec ma voiturette, j'ai perdu mon permis, un beau soir de coquette. Je retourne chez mamie avec ma voiturette, j'ai perdu mon permis, un beau soir de coquette. Hello,